purge des cadres du docteur entamée dans le sillage de la prise d'otage de Tingan-Tourine du 16 au 19 janvier 2013 avait mis à l'écart l'ensemble de l'appareil sécuritaire dirigé par l'inamovible général Mohamed Ndia, dit Toufik. Deux années durant, plus de 50 officiers étaient mis à la retraite. Le 13 septembre 2015, le patron lui-même, qui aura dirigé la police politique algérienne pour un quart de siècle, était remercié. Le démantèlement du docteur fut une réaction du chef de l'état-major, Gaïd Salah, allié à l'ex-président Bouteflika, pour mettre fin à l'autonomie des services secrets et restaurer la domination de l'armée sur la scène sécuritaire. Il s'agissait également de répondre aux pressions des puissances occidentales après l'affaire de l'attaque terroriste Tingan-Tourine en 2013 où l'intervention des commandos dirigés par le général Hassan dépendait directement du docteur et échappait au contrôle de l'état-major. L'inattendu décès du général-major Gaïd Salah à la fin de l'année 2019 sonna le retour au premier plan des cadres de l'ex-docteur après l'arrestation progressive de l'ensemble des généraux proches de l'ancien patron de l'armée. La contre-offensive des amis du général Toufik débutait, libération des généraux Mohamed Ndia, Toufik et Djebar Menak, retour de son exil doré espagnol du général Netzar l'ancien fort du régime durant les années 90, non-lieu pour le général Hassan et Ouarabi qui a été innocenté des chefs d'inculpation dans l'affaire de l'attaque terroriste de Tingan-Tourine. Voici les nominations à des postes politiquement sensibles qui démontrent cette contre-offensive des amis du général Ndia, dit Toufik. La désignation non officielle du général Mansour Benamara alias Hadj Redouane comme conseiller à la présidence est le tournant majeur dans la mise en place du dispositif de l'appareil docteur. Il est une éminence grise ayant été chef de cabinet du général Mohamed Ndia, Toufik, 19 années durant. Grand connaisseur des arcanes et des interstices du système par expérience pratique et par ingéniosité. C'est avec maestria qu'il procède à mettre le dispositif dès janvier 2020 en plaçant le général-major Abdelaziz Mjahed comme conseiller à la présidence. Ce dernier est le patron du Sed Shangri-La à l'Agdaria durant les années 90. Le général Sed Shangri-La a peine à s'affranchir de l'étiquette chef d'état-major intérimaire depuis le décès de son prédécesseur Gaïd Salah. Ce dernier a mis en place une liste de 25 généraux de haut commandement qui devraient être écartés après les présidentielles. La liste fut détenue par le secrétaire général de MDN le général Abdelhamid Gris actuellement en prison. L'actuel chef d'état-major en faisait partie, c'est ce qui a motivé Sed Shangri-La à une alliance objective avec les éléments de l'ancien état profond. Général-major Abdelaziz Mjahed, bien qu'il fût mis à la retraite depuis en 2003, il revient le 19 février 2020 au poste de conseiller à la présidence chargé des questions sécuritaires et militaires. Sa mission est d'appuyer la nomination de Sed Shangri-La au poste de chef d'état-major intérimaire depuis plus de 6 mois. Celui-ci est nommé officiellement le 3 juillet 2020, alors que son ancien chef Abdelaziz Mjahed sera nommé le 17 septembre 2020 à la tête de l'Institut National d'Études de Stratégie Globale, INESG, un établissement alimentant les académies militaires du pays. Le colonel Shafik Mesba nommé le 20 avril 2020 à la tête de la toute nouvelle agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Les contours de sa fonction ne sont pas définis de manière rationnelle dans le décret de nomination. Ayant perdu du terrain sur les crises régionales et continentales, la diplomatie algérienne tend à reprendre sa place à travers une agence dirigée par un universitaire ayant servi au sein du docteur. Il rentre en conflit avec le ministre des Affaires étrangères sur les prérogatives octroyées à la nouvelle agence. L'activité de la nouvelle structure tombe en désuétude mais pas son directeur. Il est nommé au début du mois de novembre à la fonction de conseiller à la présidence chargé des affaires réservées. Là également, les contours de la mission ne sont pas définis afin de ne pas susciter des émules et de la contestation. Le général-major Djebar Mena ayant été un élément important dans le dispositif sécuritaire des années 90 en dirigeant l'ADCSA de 2004 à 2014, le général Djebar est mis à la retraite en février 2014. Arrêté le 21 octobre 2019, dans le sillage des purges du général Gaïd Salah, il est accusé de corruption, abus de pouvoir, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et condamné à 8 ans de prison. Il sera libéré moins d'un an le 23 juillet 2020. Il vient d'être nommé à la tête de la direction du conseil et du suivi, DCS, dont les nouveaux locaux des services à Douira.
Cette nouvelle structure dispose des prérogatives plus larges que celles octroyées au directeur de l'ANGSI, le général Hossine Abdelhamid alias Boulaya. Il est originaire comme Djebar Mena de l'Arba à Nairaten en Grande-Kabylie. Il s'établit en Espagne en fuyant les purges entamées par Gued Salah en 2019. Il revient pour prendre le poste du directeur des opérations du renseignement et d'analyse au sein de l'APSA, direction de la documentation de la sécurité extérieure, dépendant du général Ouled Zmirli. Sa mission est de neutraliser les militants actifs au sein de la diaspora, youtubeurs, journalistes indépendants, opposants politiques au système. Le pratique violente ainsi que son passé le place parmi les officiers les plus violents des années 90. Le général Yahya Ali Ouladj mis à la retraite le 3 juillet 2019, mais garde une relation étroite avec le chef d'état-major le général Shangria qui le place à la tête de la gendarmerie nationale le 03 août 2021. Il remplace Nordine Gouasmia, proche du général-major Ben Ali et de Gued Salah. Bien qu'ayant été mis à la retraite d'office le 3 juillet 2019 pour corruption, le général Yahya Ali Ouladj avait été nommé chef d'état-major du commandement de la gendarmerie par Sed Shangria.